tout bien fait sur ma chaîne de cristal. Donc ça sera juste une toute petite vidéo. Après, je vais me souvenir. Non, maman, elle m'a dit, monsieur, elle n'est pas. Ok, d'accord. Aujourd'hui, j'ai l'arme. Et face de moi, le gars, je ne connais pas. Je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Okay, voilà. Comme tu vas regarder, tu vas toucher les magazines maintenant. Elle court donc. Voilà. Et là, je l'ai trouvé. Non, pardon, ça s'appelle Pop P. Voilà. Les années 90. Donc, il y a beaucoup d'âges qui partent de tout ça. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien parce que des fois, ça part sur un thème. Une fois ça parle de. Enfin, j'ai déjà présenté dernière, je des magazines comme ça, voilà. J'ai dû vous en présenter, je sais plus combien, 3, 2, 3, bref, voilà. J'essaie de. Je sais qu'il y en a un qui est sorti sur les Marvel, il me semble, que j'aimerais trop avoir. Voilà. Donc, dès que je vais le trouver, je vais aller me le prendre, voilà. Et je vais vous dire, oui, alors il coûte un peu cher ce magazine-là, mais il y a beaucoup de pages. Il coûte 14,50 €. Hein? Je crois qu'en Belgique, il doit coûter un peu plus cher parce que mon ami Ludo de Prends un livre et détends-toi, bah, c'est lui qui m'a mis dans cette passion-là. Voilà. On va voir les valous. Donc, dans celui-là, ça part de tous les années 90. Ça parle d'action, ça parle de Salmi Titov, ça parle de Euro Disneyland. Voilà, ok, ça a commencé. Ça parle de tellement de choses là-dedans, voilà, qui s'est passé dans toutes ces années-là, donc dans toutes les années 1990, après 91, 92, 93, 94, jusqu'à, alors jusqu'à, je sais pas, attendez, je vais vous dire ça, jusqu'à 1999, voilà, donc on est pas mal, hein. On nous ment pas mal, pour vous dire la vérité. Ouais. Et donc, il y a 100, presque 200, attendez. 194 pages, donc vous voyez. 194 pages, donc vous voyez, il y a beaucoup de pages. Hein. Le livre, il est quand même assez épais, le livre, hein, pour vous dire. Donc voilà, c'était ça. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse, bah... Vous savez qu'il y a dans votre marchand de journaux. Voilà. Et moi, une fois, je me rappelle, j'étais dans un marchand de journaux. Je dis, tiens, je vais aller prendre des magazines. En même temps, je regardais s'il y avait un... Comme ça, mais un autre truc. Voilà. Et j'avais vu. Je l'ai pris tout de suite. Hein. Ah, j'ai pas sur 14 h, je l'ai pris tout de suite. Hein. Voilà. Ouais. Mais en fait, j'aimerais bien m'abonner à ce magazine-là. Comme ça, moi, je le reçois à chaque fois. Ça serait bien que je puisse le recevoir à chaque fois. Voilà, parce que là, je crois que je suis plus abonné à un magazine que je m'étais abonné. Donc, je regarde pour voir si je peux pas m'abonner à celui-là. Donc, je sais qu'il y a des thèmes qui vont pas me plaire. Voilà. Donc, je sais pas trop si je dois m'abonner. Ou vraiment, s'il les a vraiment tout le temps, 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 ces magazines-là. Moi, quand ça m'intéresse, le thème, je la jette quand ça m'intéresse pas le thème. Allez, va te faire pour outil chez les papayoutes. Voilà. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment un magazine vraiment qui est vraiment bien parce que ça parle vraiment détaillé du thème. Voilà. C'est pas comme certains magazines où ils disent que c'est détaillé sur le thème, mais pas tant que non. Voilà. Donc là, c'est sur les années 90. Et franchement. Il est vraiment détaillé parce que ça parle vraiment un peu de tout. Voilà. Donc retenez les moments cultes des années. Non. Définir. Non. Définir une décennie. Voilà. Hors série, collection. Là, il y a 100. Alors, ils disent qu'il y a 100 sous... 196 pages. Voilà. Ouais, donc à chaque fois que je le verrai dans mon bureau de tabac, bah, je le prendrai. Voilà, voilà. Voilà, parce qu'il parle de vraiment de beaucoup de choses. Et moi, j'adore. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Voilà.
Et puis, alors, je ne le dis pas tout le temps parce que j'aime pas le dire. Non plus, voilà. Mais je vous mets en barre d'infos mon PayPal. Si ça intéresse certains de me faire un petit don pour que je puisse m'acheter du meilleur matériel. Voilà. Donc, je les mets toujours en barre d'infos. Et vous voyez que je ne vous demande pas souvent. Voilà. Mes abonnés chéris. Voilà. Je sais, j'aime pas faire ça parce que j'aime pas après vous dire oui, tu réclames de l'argent, machin, machin. Non, je réclame pas de l'argent. Voilà, si vous avez envie, vous me faites un don. Si je force personne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Voilà. Comme il y en a qui disent sur TikTok, oui, envoyez-moi. Voilà. Moi, non. Voilà, donc faut pas tout mélanger aussi. C'est si vous avez envie et je ne force pas les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et je mets pas des couteaux sous la gorge. Voilà. Bref. Allez voir aussi sur mon Instagram aussi parce que je vais poster la photo du livre. Voilà. Donc je poste tout. Je poste tout ce que j'achète. Voilà. Et bientôt je vais vous faire donc vendredi parce que là, normalement vendredi j'aurais dû recevoir un colis, je ne l'ai pas reçu. Un problème, je ne sais pas. Voilà. Pas possible de me livrer mon colis. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc je me suis fait une petite sieste et après ma sieste je me dis mais mince. Pas de colis. C'est bizarre. J'ai regardé dans ma boîte email, j'ai regardé un peu partout. Pas... Mon colis que je devais recevoir aujourd'hui, je l'ai pas eu. Bon, c'est pas grave. C'est que vendredi, je vais recevoir un colis. Voilà. Et après, ça sera au mois de. Alors, je l'ai commandé hier. Et je vais le recevoir milieu février ou je sais plus, un truc comme ça. Voilà. Vous voyez, ça m'énerve. Parce qu'après, moi, avec mes problèmes de santé, bah, j'oublie. J'oublie que je devais. J'oublie que j'ai commandé ci ou j'ai commandé ça. Voilà. Tellement que je suis donc des fois c'est la poste aussi des fois aussi hein. Une fois je vais à la poste une fois ils me disent oh mais je sais pas j'étais à chercher des colis et puis ils m'ont dit des colis mais ouais je me suis déjà fait rembourser par Amazon ouais parce que je l'avais pas reçu et maintenant je l'ai reçu mais bien longtemps après quoi ah bah on a retrouvé un de vos colis ah on a retrouvé un de vos colis. Oh, on a retrouvé un de vos colis. Ok, t'appelles les gens. Non, parce que les gens, ils croient que tu viens souvent. Maintenant que tu viens plus souvent, je pense qu'ils vont appeler. C'est évident. Voilà. C'est parce que tu vois quelqu'un, c'est pas parce que tu vois quelqu'un qui vient souvent que tu penses qu'elle va venir encore souvent. Mais non. Regardez, moi, je vais aller souvent à la poste. Presque tous les jours à la poste, à un moment donné. Je n'y vais plus. Ah voilà. Ils croient que je vais revenir, mais non. Donc c'est pas la peine. Voilà, vous voyez ce que je veux vous dire. Enfin bref. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire entre parenthèses. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse, les amis. Et je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Désolée. Sur la chaîne de Cristal. Voilà.